Salut, c'est Peter. Vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle Inspecteur Spider. Yo les Spiders, comment allez-vous? En tout cas, eh bien moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, enfin on se re-retrouve pour une deuxième vidéo parce que, eh bien, écoutez, l'actualité de Marvel Avengers commence à se développer autour de Black Panther et aujourd'hui on va se retrouver pour la première partie de En route vers le Wakanda. Voilà, c'est une nouvelle série de vidéos que je vais vous proposer dès l'instant qu'il y a une nouveauté qui sort en lien avec, avec Black Panther. Et aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de stream récap, mais pas vraiment un stream, plutôt par rapport au blog. C'est la première partie du blog qui est sortie aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a quelques informations concernant Black Panther. Alors pour ceux qui ne veulent pas avoir toutes ces informations, bah, je vous invite à ne pas regarder la vidéo tout simplement, parce qu'il peut y avoir un petit peu de spoil. Pas de spoil majeur vis-à-vis de l'histoire, etc. Mais plutôt de sur un petit peu ce que proposera l'environnement autour de Black Panther. Alors, donc dans le blog, je vais vous citer en fait ce qu'a dit Thor Bilstad, donc qui est le directeur de l'expérience de Crystal Dynamics, pour un petit peu donner, qui a donné un petit peu quelques détails sur la façon dont le monde a été créé autour du Wakanda pour leur nouvelle extension. Donc, comme il s'est dit dans le blog, ça sera en deux parties. La première inspiration s'est tournée bien sûr autour des comics, parce que je cite, au sein de l'équipe, nous parlons beaucoup de ce que nous appelons l'ADN Marvel, qui est à la base tout ce que nous faisons. Nous passons beaucoup de temps à recueillir des références à partir du matériel source de Marvel, et nous avons parcouru les bandes dessinées de Black Panther à la recherche de références pour rendre notre vision unique du Wakanda précise et passionnante. Les fans de la bande dessinée verront de nombreux gestes envers la bande dessinée, donc beaucoup de références, comme la statue ci-dessous, et là je vous le mets à l'écran, qui est pour lui l'un de ses goodies, entre guillemets, pas goodies, mais l'une de ses références préférées. Et c'est vrai que bah, cette statue, vous me direz ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment stylée. Maintenant, une nouvelle information concernant la jungle. Alors, je vous dis ce qu'il a été dit, je vous le traduis. La jungle est la clé du Wakanda et notre espace jouable. Nous avions pour objectif de la rendre luxuriante, belle et atmosphérique, avec des formes organiques et d'une densité labyrinthesque, encourageant l'exploration. Il est souvent couvert d'une densité, ce qui crée une expérience de mauvaise humeur ou de lumière qui traverse la lumière du soleil qui traverse le feuillage, ce qui donne une vie végétale. Et donc c'est ça, on pensait effectivement que la jungle allait être dense, et là c'est Max qui avait fait cette réflexion et qui était plutôt intéressante. Est-ce que vous pensez que si vous jouez un personnage volant, ça va pas être un petit peu le cirque pour pouvoir voler? Et donc l'image, qui sont de meilleure qualité, et ça c'est des images qui ont été proposées lors du stream recap, on voit donc, entre parenthèses, c'est marqué que c'est le roi T'Challa qui emmène les Avengers faire une visite autour de la jungle du Wakanda. Alors, et là, des informations qui sont assez intéressantes concernant la structure, d'un petit peu le côté exploration. Je cite... Nous voulons que les joueurs recherchent des entrées cachées derrière chaque cascade et dans tous les coins et dans les recoins de la jungle, et profitent des beaux paysages lorsqu'ils le traversent. Les monuments et structures anciens du Wakanda sont dispersés dans la jungle, dont beaucoup sont des sites patrimoniaux qui sont protégés par l'équipement du Wakanda contemporain. Les anciennes structures valent la peine d'être explorées car beaucoup d'entre elles contiennent des ressources et des objets de collection de diverses sortes. Nous nous sommes inspirés d'une multitude de la civilisation ancienne, mais ce qui est intéressant avec le Wakanda, c'est que leur culture remonte à des millénaires et que leur technologie, même dans l'Antiquité, était de loin supérieure à toute autre civilisation sur Terre. Et là, sur l'image que je vous mets à l'écran,
On voit donc une porte du guerrier. C'est une partie des épreuves nécessaires pour que le guerrier puisse passer pour retourner dans le Wakanda. Et je trouvais ça intéressant et beaucoup se posaient la question. Alors aussi, on sait que Crystal Dynamics, ils ont bossé sur des jeux comme tels que Tomb Raider, en tout cas les derniers, et il y avait beaucoup d'exploration et il y avait beaucoup aussi d'énigmes. Et là, le fait de gérer la jungle, c'est un petit peu on va dire une partie de plaisir pour eux, et c'est déjà du fait. Donc le fait qu'il y ait une architecture, je trouve, autour du Wakanda avec pas mal d'énigmes, etc., moi c'est quelque chose qui peut me plaire. Et je vous poserai une question à la fin de ce blog. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on continue ce qui est dit dans le blog. Avec l'architecture ancienne, nous voulions montrer non seulement l'artisanat et l'ingéniosité des Wakandiens, mais aussi la pensée avant-gardiste de leur civilisation. Par exemple, dans l'image ci-dessous, avec les anciens Wakandiens, on passait des générations à utiliser les arbres vivants en croissance comme des éléments structurels pour intégrer dans leur construction de temple. Et on voit l'image, ça a l'air vraiment vraiment joli. Et donc là, l'image qu'on voit actuellement, c'est le temple d'Azuri. C'est un ancien temple dans la jungle qui est maintenant un site patrimonial et qui a une signification particulière dans l'histoire de la guerre pour le Wakanda. Donc il a l'air vraiment avoir du taf et c'est plutôt plutôt cool. On continue toujours, alors il y a un petit peu de contenu, hein, c'est vrai que c'est sympa. Le Wakanda est une nation non conquise, est une chose à noter en entrant dans le Wakanda qu'il n'y a rien apporté d'autres régions dans Marvel Avengers. Aucun art n'est recyclé, y compris tous les objets et les ressources de gameplay. Wakanda a sa propre suite d'objets, donc tout devrait être nouveau. En outre, il existe à la fois des styles d'objets anciens Wakandiens et des contemporains. Ce fut une énorme entreprise pour les, un énorme travail pour les équipes artistiques de réaliser le Wakanda, à la fois parce qu'il y a une telle abondance d'art unique qui devait être construit, mais aussi parce que tous les objets du Wakanda devaient être fabriqués à partir de zéro, car c'est un style si unique. Et là, on le voit à l'image. Alors, dites-moi si... Pardon. J'allais dire, on n'a jamais vu de tourelles, mais si, on en a vu dans le jeu. Et là, c'est des tourelles du Wakanda. Le joueur rencontrera des versions amicales et hostiles de ces tourelles. Donc, un nouveau skin pour les tourelles qui, ma foi, sont à la fois un petit peu antiques, mais à la fois modernes avec leur technologie. Deuxième image, là, mais vous l'avez déjà vu. Et les images qu'on va voir un petit peu... Là, c'est des images de meilleure qualité, mais vous l'avez déjà vu. Donc, l'objet mural contemporain du Wakanda pour le fonctionnement mural. Devinez quel personnage l'utilise. Donc, voilà, on sait très bien que le fait que Black Panther soit agile, c'est quelque chose de plutôt cool. Là, un objet pour le coffre à ressources contemporain. Un ancien coffre aussi. Et là... alors beaucoup, vous savez, dans Marvel Avengers, on utilise pas mal de fois d'ascenseurs, des choses comme ça, mais il y a aussi le train dans certaines missions. Et là, on arrive à un style de train qui est plutôt joli, vous allez le voir. L'ancienne technologie du Wakanda est toujours en état fonctionnel et aussi puissante lorsqu'elle a été construite. Il existe des mécanismes de puzzle complexes, des dispositifs de transport et même des défenses mécaniques avec lesquelles les joueurs peuvent interagir dans tout le Wakanda. Magnifiquement fabriqué à partir de matériaux naturels comme le bois, le tissu et les métaux précieux, ces artefacts offrent un aperçu dans la façon de vie a pu être comme il y a des siècles au Wakanda. Donc ça, c'est tout ce qui est pour les objets. Là, vous le voyez, une image à l'écran, donc le ancien monorail, donc c'est ce qui va vous permettre, en tout cas je pense, de passer d'un point A à un point B, un petit peu comme on avait dans les ascenseurs, donc c'est plutôt cool. Une tourelle ancienne, toujours aussi mortelle que lorsque sa construction, donc elles ont du style, hein, un petit peu en bois comme ça, et c'est vraiment cool. Et là, on revient à une version où ça va parler plutôt de verticalité, etc. Alors, il y a plus de verticalité dans le paysage du Wakanda par rapport à tout ce qui a été fait dans Marvel's Avengers. Et les joueurs devront regarder ce qu'ils font, car il y a des chutes mortelles et des fosses sans fond.
Donc vous allez pouvoir, si vous vous loupez, tomber dans le néant, comme c'est dit. Nous voulions également récompenser l'exploration avec des boîtes d'objets et des trésors cachés sous et au-dessus du chemin de jeu. Donc il faudra pas mal regarder autour de vous, derrière vous, un petit peu comme dans les jeux d'aventure, et c'est plutôt cool. Et là on voit les cascades. Et donc justement, il y a des grottes dispersées dans la jungle, dont beaucoup avec d'anciennes peintures wakandiennes. Donc je pense que le côté exploration sera pas mal mis en avant. Et là, on arrive dans la quasi fin de la vidéo. Donc je cite toujours ce qui a été dit. L'émission du Wakanda regorge de références comics, mais en plus, les panoramas montrent également des points de repère emblématiques au loin. Les fans de bande dessinée devraient être excités de voir des endroits familiers lorsqu'ils se déplacent à travers le Wakanda. Il était important pour nous que Wakanda se sente comme un nouvel aspect, avec des lignes de vue à travers les différentes parties du pays. C'est différent dans la façon la plupart de nos autres biomes sont construits. Par exemple, une mission a lieu au bord d'un cratère en regardant vers la ville d'Or dans la vue, et la scène suivante, la mission a lieu dans la ville même. Donc c'est plutôt cool de voir une progression comme ça dans la mission. Et là après c'est des remerciements, donc il remercie toute l'équipe artistique, etc. Aussi le studio Virtual Shanghai et Oscar, directeur artistique chez Nixis, un des studios qui a aidé à faire le Wakanda, donc c'est vraiment cool. Et il cite, nous avons hâte de vous en montrer plus, recherchez dans la partie 2 à l'avenir, nous vous en montrerons plus d'avant-postes. Et donc, écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a eu beaucoup d'informations, et c'était vraiment, vraiment cool en tout cas de voir tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et là je pense qu'on va arriver dans le déroulement de Marvel Avengers, en tout cas le DLC de Black Panther va pas mal être mis en avant, le marketing a commencé, c'est plutôt cool. Et on a eu pas mal, encore une fois, pas mal d'informations, alors pas de gameplay, mais des petites infos par-ci par-là qui vous donnent un petit peu l'eau à la bouche. Donc c'est vraiment plutôt cool. Écoutez, d'ici là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.